Bah bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On est sur le test de Katarina patch 6.22 pré-saison 7. Elle arrive, on s'y prépare avec toute la jungle qui a été modifiée, avec les assassins qui ont été modifiés. Là on va se focus sur Katarina. Alors Katarina qui a elle aussi bien changé hein, pour ceux qui la connaissaient avant. Maintenant il y a tout un jeu de lames qu'il va falloir gérer. Donc voilà, tout simplement, les premières modifications et les plus importantes, c'est le Q-Spell, qui maintenant est une lame rebondissante. Vous lancez une dague, vous infligez des dégâts aux ennemis proches, et après la dague se plante dans le sol, et en allant la ramasser, vous allez faire des dégâts autour de vous. Donc en zone, donc c'est tout un jeu de dague qu'il va falloir réussir à gérer. Le Z, c'est pareil, vous allez jeter une dague en l'air, vous gagnez de la vitesse de déplacement, et si vous ramassez votre dague, vous allez faire des dégâts autour de vous. Le Shumpo vous permet de jump autour de la cible et frappe l'ennemi le plus proche sur un allié ou une dague. Pas mal. Vous pouvez récupérer une dague genre aussi grâce au Shumpo. On va essayer de voir ça directement avec les voilà. Vous voyez cette dague là par exemple. Là si je la ramasse je vais faire un sort de Z tu vois à l'ancienne genre hop. Vous voyez. Et en gros tu t'aides de ça pour push ta lane. Alors après ça te met un peu en danger hein. Faut faire attention. Ouais, contre Rihanna, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Merci beaucoup aussi pour la donation. En parlant de ça, il y a Arzouk qui a dit toujours un plaisir de te regarder ton stream venu comme ça, Dogby. Merci Arzouk. Bah là, écoute, là on est sur de la cata. Là on est sur de la cata. Faut pas se sentir aussi obligé d'aller chercher la dague à chaque fois. Là, par exemple, elle paraît trop dangereuse celle-ci. Mais tout va se baser là-dessus maintenant, Katarina. Oula. Je me demande si tu peux avoir genre deux dagues. Ah oui, tu peux avoir deux dagues. D'accord, c'est intéressant ça. Super intéressant. Bon, ce qui va être important, c'est de récupérer le Shumpo. Et à mon avis, tout va démarrer à partir de là. Très spécifique quand même. Hein. C'est très très spécifique. Donc je galère pour l'instant un petit peu, mais ça va venir. Donc là, ça me permet de me téléporter près de la cible ou près d'une dague. Donc c'est cool si vous vous téléportez sur une dague. Ça vous permet en gros de l'activer. Fuck. Au moment où la dague a disparu, quoi. Je me sens douillé. Ah mais je récupère aussi vite le... What the fuck? Pourquoi je récupère le jump aussi vite? Elle est morte? Oh fuck, quoi que ça passe pas. Oh my god. Pourquoi j'ai récupéré le... Attends, y'a un truc que j'ai pas compris par rapport au E. Y'a un truc que je n'ai point capté. Ramasser une dague et du rat de soi. Ah d'accord. Oh, c'est énorme. Ah par contre là du coup je me suis mis dans le mal. D'accord ok, ramasser une dague ça réduit de 70% le délai du E. Ah oui tout se base là dessus. Ah c'est énorme en vrai. Ça c'est dommage j'aurais pu débloquer un kill. Ok c'est comme ça que ça se passe quoi. C'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est effectivement comme ça que ça se passe en fait. Tout se base sur le E. C'est vachement fort hein. La tenue de lane de Katarina pour moi est meilleure maintenant. Tu mets une pression constante sur l'adversaire. C'est... Tu vois genre je la domine là largement. C'est vachement sympa, en vrai j'aime bien. J'aime bien ce que je suis en train de découvrir. Elle va back. Du sang pour Noxus. Est-ce que tu peux jump sur les sbires alliés? Katarina fonce en un éclat sur l'allié, l'ennemi ou la dague cible, d'accord. La cible est... Ok. Donc ça va, tu peux toujours. Et la ward, tu peux plus, on est d'accord. Ouais, c'est YOLO build. Ne faites pas ça chez vous, ceci est réalisé par un professionnel.
Let's go, let's go, let's go, let's go. Prêt à souffrir. C'est marrant, après là j'ai pris quand même beaucoup de dégâts pour rien. Je m'amuse. Mais j'aurais fait un peu attention. Parce que là, à tout moment, je peux être la cible d'un ultimate. Il faut que je sois prêt à l'éviter. Ouais, c'est très bien que si elle avait osé. Parce que le jump va loin, hein. Le jump va loin. Ah, pourquoi j'ai pas. Là, j'aurais dû appuyer sur E. J'ai vu le truc arriver, j'ai pas appuyé. Ok, je commence à capter un peu le truc. C'est du sport! Tu peux pas sur une warne, d'accord. Non, tu peux plus. Ok, ok. Ouh là là, c'est du sport, hein. N'est point évident. Mais je capte, je capte, je capte. Alors Katarina, comment on va la stuffer? Ah ouais? Il y a un mec qui me dit super, un truc super intéressant. Tu peux choisir l'endroit où tu veux jump. Par rapport à... J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu peux choisir de quel côté de la cible tu peux Shumpo. Regarde le Shumpo sur Smart 4. Oh, oui, ça je. Ok, ok. Oui, en fait, tu peux aller n'importe où dans la zone. Pourquoi? Parce que je le peux. Genre là, le sbire, je peux jump derrière lui, quoi. Oui, oui. Oui, ok, ok. Ça, c'était bien, bien assimilé. C'est ça qui est ouf, en fait, c'est que la zone est genre maintenant super grande, quoi. Bâtard. Je voulais pas claquer mon Shumpo, moi. Allez, vas-y, c'est parti maintenant. On a l'ultimate. Si j'arrive à lui prendre son ulti, je peux la démon. Aïe. Marrant. Je me demande qu'est-ce qu'il faut up en deuxième des récupérations, on s'en fout un peu. Ouais, ça. La plus de move speed, c'est cool. Ça, je l'ai mis cher quand même, hein. En fait, je pense que je devrais jouer beaucoup plus agressif. Je la outplay de ouf, mec. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, en vrai. Mec! C'est trop bien! Ta ta ta! Into tag! Papa! In night! Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux que je te mette des dagues toi aussi? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux que je te mette des coups de dagues? C'est trop trop bien le E. Le E est trop trop cool. Waouh! Oh, j'ai envie de faire le pistolet. Non, je fais pas le pistolet. Si, j'ai envie de faire le pistolet, mec. Vas-y, je sais que c'est très bien que c'est pas le meilleur item pour Kata. Parce que je le sais. Ne me jugez pas. Je ferai Riley après. Je veux ce pistolet. Je veux être le dueliste de la game, quoi. Ouais, quoi là, t'as eu aussi loin la dague. T'as à ce point là random. Viens là toi. Un ennemi a été tué. Il ne me bat jamais. Un
allié a été tué. Y'a un mec qui veut claquer la plante là, on est d'accord. Ah c'est 100% wardé ici. Ils sont pas les couilles à un point. Bon bah c'est cool. Ça se passe. Ça va bon. Comment ça se passe la journée toi, dis-moi en commentaire. Non non non. T'es une gamine. Dis-moi toi. Go. Mais je vous déteste. Mais go là Zach. Pire champion. Pire joueur. Mec je l'OS là. Merci. Ah y'a rien de plus simple. Oh là là, pourquoi tant de temps pour prendre cette décision? Oh, elle aussi faut qu'elle meure. Fuck! Fuck! Tué! Tue, Zach, tue! Meurs, Zach, meurs! J'avoue que je me suis un peu perdu dans mes mécaniques. J'ai appuyé sur toutes mes touches à un moment, ça a été très bordélique. C'est chiant de devoir penser au die, tu sais, des fois quand t'es comme ça dans les moments. T'sais, j'ai fait mon Z, j'ai appuyé sur Z comme si c'était lancé un Z. Alors qu'en fait, j'ai vu le dague partir en l'air, j'étais en mode, mais non, je fais pas ça que je voulais. Bon, ma première mort avec Katarina en saison 7, voilà. La Tadag atterrit à l'opposé du dernier rebond, c'est écrit dans le tooltip, il me semble. Ah ouais? La Tadag atterrit toujours à l'opposé de là où elle a frappé. Ah ouais? La première cible. Et cela lui prend toujours le même temps, quel que soit le nombre de rebonds. Ah ouais, ok. Ça, c'est bien, ils essayent de limiter le facteur aléatoire. Aïe. Doublé. Moi j'ai pas peur. Moi je vais au duel. Moi je me bats. Moi je suis un bonhomme. En 1v3 je vais combattre. Bordel. Vous comprenez ça? Vous comprenez pas? En train de tester un peu les limites du champion, tu vois, je vois un peu comment ça se passe et... C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, la Katarina est pas dégueu. La game est serrée, c'est vachement cool ça, ça me permet de... D'avoir un moment où je vais devoir vraiment faire la différence. Parce qu'on a 11-8 mais j'ai récupéré 6 kills, tu vois, donc en vrai ils sont devant, tu vois, si je suis pas aussi feed. Ils sont devant, donc c'est vraiment à moi de faire la différence. Ça c'est cool. J'accepte le défi. Pourquoi mon cuspel est pas parti, putain? J'avais la reine pourtant. J'ai pas appuyé sur Z, non? J'avais mon Z aussi, putain, j'oublie toujours que le Z donne de la mousse. Vas-y, mon Lucian. Viens, mon Lucian. Putain, bonhomme. Pas censé récupérer mes CD. Mais j'ai été cash. NP bro. Moi j'ai aimé que t'ailles au combat comme ça. Ça m'a montré que voilà, t'es quelqu'un qui en veut. Et moi j'aime les gens comme ça. Je cautionne, je t'ai suivi, yeux fermés. Je galère pas mal avec le Z quand même hein. Le Z, l'ancien Z me manque un peu. Tu vois, j'ai ce côté où... Après la dague fait mal de ouf. Avant tu devais réactiver la dague. Maintenant la dague de base elle fait genre d'énormes dégâts.
Donc ça c'est plutôt cool. Butons cette Riven. Fuis, fuis. C'est dommage qu'ils aient enlevé le jump pack quand même. Après, je comprends, c'était vraiment fort. Voilà, gros. J'aime, mais ça, j'aime pas par contre. Là, on aime directement tous un peu moins ce que tu viens de faire. Ça c'est chiant de devoir attendre la dague qui retombe. Quand t'as pas encore les goûts de mécanique. Oui, c'est un être humain qui vient de faire cette action là, tu sais, c'est. Le mec a un cerveau, ouais. C'est bien ça. Le danger était présent, était très facilement analysable, mais lui ne l'a pas vu comme ça. Oh, t'es morte ma chère Soraka. Vous abusez un peu là. Je veux bien être l'élément clé de cette game, mais faut faire un. Oh là là, tu rentres dans un trap comme ça toi. C'est pas go 1v5 en vrai. Je suis juste qu'il y a une exos qui tombe et je suis dans le mal. Cage. Et la petite flaque, hein, elle est importante. Pourquoi j'appuie pas sur ce putain de pistolame? Pourquoi j'appuie pas sur ce putain de pistolame? Dites-le moi. Même si je cover le Drake, je suis d'accord. Oui, vous allez toujours me dire oui, il doit appuyer. C'est bien, au moins tu vois, t'as cover le Drake, t'es vraiment fort, j'aimerais trop être comme toi et tout. Je comprends, merci. Mais pourquoi je n'appuie pas sur ce putain de pistolame? C'est chiant. À limite, l'Ignite là, je pouvais la garder. Mais le pistolame, j'en ai rien à foutre. Le truc a pas de CD. 40 secondes. On appuie tout le temps. De vos amis, ouais, on est reparti. On pense pistolame. Tous. Tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? Pistolame, bien sûr. Vous avez la réponse. J'ai la question, vous avez la réponse. C'est super perturbant. Le Z, j'aime pas le Z. Je sais pas, j'accroche pas avec la mécanique du Z, tu vois. En fait, à mon avis, c'est pour pouvoir lancer une dague sur laquelle tu peux te repositionner, tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, tu go in avec cette dague, tu vas go tu avec ton E, tu vois, mais t'as toujours la dague qui t'a permis de go, qui est derrière pour pouvoir re-jump dessus et récupérer ton jump, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous comprenez. En gros, c'est la dague défensive, mais j'aimerais bien l'utiliser offensivement, moi, celle-ci. Parce que le problème, c'est que si tu fais dague, go in, Z, bah le temps qu'elle retombe, faut que t'aies pris une décision et que tu te sois déjà barré en vrai. En mode t'es comme ça et tu fais ça et là t'es en mode ok, tu vois ce que je veux dire, ça sert à ça en vrai. Script. Je croyais que j'allais mourir. Ma vie c'est trop de la merde. Je suis mort. Ça va rien que close-up là-dessus, j'étais quand même mort ici. Mais j'ai buté cette putain de Caitlyn. Et j'ai ma putain de grosse baguette. Je commence un peu à comprendre l'histoire des dagues. C'est pas, en vrai, c'est pas évident. En lane, c'est évident. En lane, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de
chose à prendre en compte, mais quand t'arrives en teamfight, quand tu dois déjà penser, après c'est parce que c'est ma première game aussi, mais quand tu dois penser à tout ce qu'ils ont en face, et te dire aussi qu'il faut que tu t'occupes de tes putains de dagues, c'est chiant. Ah, c'est pas con de lancer le Z avant le R, c'est pas con. Mais j'aime bien ce côté aussi où tu la gardes en sécu derrière, tu vois, cette dague. Elle dure combien de temps, les dagues? Tu vois, ils disent pas ça. Combien, elle reste, combien de temps elle reste au sol? Eh ben, c'est du boulot, hein. Je vous jure que c'est du boulot de jouer Katarina. Après, là, je troll. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ça, j'ai marché dedans? Mais c'est comme ça, quoi, c'est pas possible. Belle cache. Ouais, jusqu'au bout, hein, de la danse, c'est un sacrilège de cancel, cette danse. Bon, je galère toujours avec le Z. Mais ça doit être n'importe quoi quand tu récupères des kills et que tu renvoies de la dague. Parce qu'en fait, t'as 15 secondes de CD qui est rendu, hein, ça a pas changé, et du coup, tu récupères tous tes sorts. Donc si tu viens de péter tes dagues... J'ai pas réussi à jump sur la dague. À ce point là il a V9 lui. On va le calmer. Bon, je vais faire écho de Luden maintenant. Et Coco. Et Coco de quoi? Et Coco de Lulu. On peut E sur la dague qui reste. Ouais. Tu peux E dessus. Du coup, ça active directement le Z. Et en même temps, ça te permet de récupérer ton E 90% maintenant. Ah oui, 90% plus vite. Léo Golu, merci beaucoup Léo Golu pour le soutien. Salut Doigt, combo avec Kata, c'est Q, E, W, R, E, c'est mécanique maintenant, Kata lol. Q, E, Z, R, E. Ok. Ok, ok. Je garde ça en tête. Je me demandais qui lâche 2€ qui t'accepterait-tu d'avoir le pouvoir de pouvoir te téléporter où tu le souhaites, mais en échange, à chaque situation, tu... Ton père jouit? What the fuck? Je ne répondrai pas à cette question. C'était vraiment bizarre. Ma vie, c'est de la putain de grosse merde. Voilà, c'est dit. Je pouvais tous les buter, mais j'avais pas assez de vision. Du coup, j'ai go. J'aurais pu faire penta, putain. J'aurais pu faire mon premier penta kill avec Katarina. À des moments comme ça, il y en a rarement, hein, mais j'ai pas... Pourquoi j'ai pas triqué de bleu? Un simple triqué de bleu dans cette situation-là m'aurait permis de 1v5. Vraiment, après c'était low, tu vois, mais... Putain! Je l'ai senti ce moment, vous avez vu comment je me suis recroquevillé sur moi en mode « Là, tu dois faire quelque chose. » Putain! C'est trop chiant. Oh, j'ai trop le seum. J'ai raté le petit pentakill, là. On aurait mis l'ambiance. Allez, directement, Rossi Boy, qui est en difficulté. Un ennemi est en danger.
commence à capter. C'est vrai que le combo est pas mal. C'est vrai que le combo avec... Non ! Ouf. Soigne. Soigne-moi. Maintenant. Non, attends, je prends le soin. Ouais, soigne. Voilà, poteau, c'est bien ça. C'est passé quoi, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça qui est très bien. C'est passé quoi, les gars? Wow, ça allait trop vite. Elle est derrière le mur, la petite dingue. LOL, je crois que j'étais mort. Vous avez pas vu l'attaque du baron Nashor qui a bugué, genre? Bah, je suis en vie. Je trouve que la mort arrivait bien comme il faut après, après cette magnifique action. Et maintenant, on va faire Zonia. On dirait Z en Nerf, c'est Sangoku. C'est un peu ça, ouais. Ah bah, quand tu récupères des kills, faut toujours appuyer sur Z en fait. Faut penser à appuyer sur Z tout le temps. Comme ça, t'as des dagues partout et après, au pire, t'improvises. Tu vois ce que tu fais. Nope. Script. Ok, je commence à capter, on sent que au fur et à mesure de la game, déjà je commence à améliorer mes mécaniques. C'est vrai que le combo de faire le Z pendant le R est vraiment cool. Je suis mort, hein, les gars. N'espérez pas me voir survivre, je ne sais pas ce que je foutais là. J'ai fait une Lucianne, voilà, c'était ma Lucianne. C'était ma petite Lucianne. Oh non. Ah, c'est vrai que sans moi, ils ne sont rien. Ça, faut qu'ils le comprennent. C'est là qu'on voit qu'il y a un vrai manque de dégâts. Sans ma présence, c'est difficile. Eh hey, gars, jouez pour moi. Jouez pour moi, les poteaux. Go. Pourquoi? Parce que je le veux. Je ne me bats jamais à la loyale. Genre, y'a personne qui a voulu le bleu. Bon, je me retrouve en 1v9. Intrigant. Opa, 1v9 style, je suis mort. Je laisse quelques traces, je fais le petit pousset. Je laisse des tags sur mon passage. Bon, c'est long. Je vais attendre tout le monde. Bah, lui il a attendu personne. Hein. Lui il s'en est total battu les couilles. Il s'en est total battu les couilles. Aïe, pas juste. Je ne reculerai pas. Seul.
Let's go. On a un nouveau dragon océan, ça nous en fait deux. On est prêt. Hein. On est prêt à combattre, mais moi je dois juste... faut que je sois patient. Après j'aimerais bien avoir mon niveau 16 en vrai. Faut juste que je sois patient quoi. Fait mal quand même le... Le ramassage de l'âme. Prêt à souffrir. La cape devient ennuyante là d'un coup. Je me retrouve à faire un carafe quoi, tellement y'a rien mieux à faire. Avec plaisir. C'est jusqu'au moment où je vais me faire catch en fait. Genre là, je suis mort. C'est bon, y'a personne. Bientôt niveau 16. Les gars, tout à l'heure, moi j'attends, et au moment où je pars, vous voulez pas, c'est ça? Vous êtes en train de me dire là? Je vous déteste. Je suis 16. Et au moment où j'arrive, vous. Oh, je vous déteste, genre vraiment quoi. Ça me plaît. Je sens que ces plantes rouges, ça va briser certaines amitiés un jour. Ça va être trop bien. Je ne reculerai pas. J'ai envie de griller, ça fait genre 20 minutes qu'il se passe rien. Ah du coup j'ai envie de back maintenant. Gars, je me contiens là depuis tout à l'heure. Hein. Normalement je vais go, je vais arrêter de parler aux gens et je vais go. Pas chance de trouver, je m'amuse là. Je ne me bats jamais. C'est chiant. Cette game est chiant d'un coup. Allez! Ah, ça va être le moment. Bah écoute, je m'ennuie trop là. Moi je m'ennuie trop, j'en ai marre. Là c'est du craquage les gars, là. Au bout d'un moment faut combattre quoi. Moi je fais pas, ça fait 5 minutes quoi. J'ai tenu 5 minutes, j'ai accepté dans cette game de ne rien faire pendant 5 minutes complète. J'étais obligé de craquer. J'étais obligé. Ça devait arriver. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je go. T'avais plus d'autre choix. Peut-être qu'au bout d'un moment ils vont comprendre. Quand on aura offert un bon ice à l'équipe adverse, ils vont comprendre. Au bout d'un moment faut se battre. Oh oui, voilà, mais c'est ça que j'attendais de toi depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça que j'attendais de toi depuis tout à l'heure. Tu les as tous les deux, tu les gères, c'est tu les bosses. Hop, la cage elle va arriver, tu le savais. Tu le savais, pourtant tu te la prends. Qu'est-ce qui se passe?
Ok, c'est parti. Bon, maintenant, je vous préviens, je fight perma. Voilà, maintenant, c'est du... C'est du fight perma. En fait, je vais toujours au combat et j'improvise. Voilà, on va improviser. C'est ce qui va se passer maintenant. Donc, le combat avant tout, plus improvisation. Bonjour, messieurs. Un honneur de vous voir faire ce nasher. Par contre, essayez de pas oublier votre petite bien-aimée. Achetez des putains de wards, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez tous des triquets de bleu, bande de bâtards? J'en ai aucune ward, du coup, putain, j'aurais pu faire masse mieux, mais j'en ai marre. Go fight, please. What the fuck, je suis avec des mecs qui lag, quoi. Tu m'étonnes pourquoi il joue sur un K, il a 449. Comment il fait pour jouer avec 449? Vous jouez avec combien de MS? Vous tiens, dites-le moi aussi en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Et vous en live, vous avez combien de MS? Bien combattu, merci beaucoup. Je suis mort en héros. Mon ping est de 625. What the fuck? Mais non, mais ils arrivent à truquer les chiffres, c'est pas possible. Ils truquent les chiffres, c'est pas possible. Mais tu m'étonnes que le Lushan il rentre dans des trappes à un moment. Deuxième fois, same bush, même histoire. Ouais, mais tu m'étonnes, hein, c'est juste que là je suis frustré là. Go fight, quoi. Cette game, genre Zach il rentre dedans, je tue les 5 et c'est fini, quoi, en vrai. Parce que là j'ai deux mecs, après deux mecs qui lag. Bon, on va leur parler parce que bon, c'est vrai que c'est pas un niveau de ouf. Zach, go in, I can, 1v5. Allez, go go now. Allez, allez les potos. Après, ça vous donne de la confiance, je suis content. Récupérez-moi ça, vous allez être heureux. Ça va peut-être vous donner envie d'y aller. Oh, nice! We have dragon! We can go in now! Wow! Go in! Force Nash. Oh. Si vous voulez un Nashor en plus pour avoir de la confiance en plus, on va faire le Nashor, y'a pas de soucis. Ce que je veux, c'est que ça go in. Tu sens le mec qui a faim, j'ai faim. Tu vois, je gride encore là. On va se calmer. On va se calmer. La petite fin du Zonia. Un petit heal. Je fais n'importe quoi dans ce fight. No joke, j'ai fait n'importe quoi dans ce fight. Il y avait une occasion où j'aurais pu ulti, j'ai appuyé sur Zonia, tu sais. Pas savoir pourquoi, je voulais faire le pistolet, mais il y a le Zonia qui part. C'était un fight de type panique. Mais bon, au moins voilà, le Ace est là. Pff, on aura rien. Dommage que le team fight soit raté parce que c'était peut-être le dernier. Ah, mais du coup, j'en veux un autre. Moi, du coup, je veux un autre fight. Hein. Ah, il n'y aura pas d'autre. Non, finissez pas, je vais bloquer les creeps. Ne venez pas, ne venez pas. Arrêtez. Non, venez pas vous aussi. Ne venez pas là. Ne venez pas, vous êtes gros en plus vous. Non. Non, j'ai raté mon seul fight. J'ai raté mon seul fight. C'était une game de merde. Leur limite était cool et après c'est devenu de la merde absolue, quoi. Désolé. Désolé de vous avoir infligé ça, quoi. Mais ça aurait pu être tellement plus fun s'ils avaient juste go. Oh, bon, bah voilà. C'était Katarina. En vrai, Katarina, belle découverte malgré tout. À rejouer parce que là, bon, c'était un peu de la... C'était un flou. C'est un flou total. Mais super sympa dans ses mécaniques, une meilleure tenue de lane qu'avant je trouve. Et surtout voilà, un jeu de DA qui rend le champion assez dynamique. Donc moi ça me plaît, les champions comme ça un peu dynamiques, capables de faire la différence en teamfight en plus de ça si tu trouves les bons resets. Donc voilà, bon champion, jouez-le. Il fait partie des bons ups de cette pré-saison 7. Et si vous avez aimé la vidéo, bah, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire tourner mon contenu, ça fait toujours plaisir. Bisous et à la prochaine. Ciao!